Bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie occidentale. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. L'écrivain arménien d'Alep Torostoronian est décédé. Les travaux de construction de nouveaux quartiers de la communauté ivanienne d'Artsakh sont en cours. Tatoyan. Toute persécution ou jugement de prisonniers de guerre est une violation du droit international. Le lac Kairandia, le plus grand bassin biologique au monde, est nominé pour le record du monde Guinness. La chaîne de la télévision d'Arménie occidentale présente une émission sur le mémorial de la mer Arménie. Un accident de voiture à Sébastien a fait 9 morts. En 2021, la Galerie nationale d'Arménie fête le 100e anniversaire de sa création. Écrivain Alep arménien, publiciste, prosateur, personnalité publique, le docteur Torostoronian est décédé à Erevan à l'âge de 93 ans. Il est né en 1928 à Alep en Syrie. Ses parents, Hacer et Vartouhi, sont nés dans le village de Tipin, Aintab, Silisi, Arménie. Toronian était un créateur multigenre. Il est l'auteur de Vava et Sarkis Khatchatryan, Témoin du temps et ambassadeur du futur, Le Phénomène, Simon Simonian et d'autres œuvres. En 2012, il a reçu la médaille Movses Khorenati. Le président d'Arménie occidentale, le gouvernement et le parlement présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Torostoronian. Majda Danielian, porte-parole du ministère du Développement urbain, a informé Artsakh Press que les travaux de terrassement de 5 des 15 immeubles contenant 180 appartements sont déjà terminés. Il travaille actuellement sur la fondation. Le quartier qu'on construit selon toutes les normes modernes disposera d'un parking, d'une aire de jeu, d'un terrain de sport, de 3 pavillons, d'un bâtiment destiné à une utilisation à long terme d'intérêt public, d'un arrêt de bus pour le transport en commun. Un éclairage extérieur sera également installé. La surface habitable totale est de 16 000 m². Selon les données préliminaires, le quartier est destiné à nos compatriotes déplacés de la communauté Metzderech de la région de Hadrout, a indiqué Marta Danielian. Le procès violant gravement les droits des prisonniers de guerre arméniens Ludvik Mekhochtian et Alyosha Khosrovian a eu lieu en Azerbaïdjan le 2 juin, a déclaré le défenseur des droits humains de la République d'Arménie. Le bureau du défenseur des droits humains de la République d'Arménie a signalé que, comme le montrent les vidéos et les photos publiées par les sources azerbaïdjanaises, les prisonniers de guerre Ludvik Mekhochtian et Alyosha Khosrovian sont traités de manière humiliante, étant gardés dans une cellule de verre et en isolation dans une salle d'audience. Le monitorage montre que ces attitudes et publications sont faites dans le but de causer des souffrances mentales supplémentaires aux familles des captifs et de créer des tensions dans la société arménienne. Tous les militaires et civils arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan sont les prisonniers de guerre. Ils ont été capturés pendant le conflit armé et maintenant le conflit n'est pas encore terminé. De plus, les autorités azerbaïdjanaises poursuivent les captifs arméniens en leur obligeant à présenter un soi-disant témoignage confessionnel, a souligné le défenseur arménien des droits humains. Par conséquent, le procès des captifs arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan contredisent complètement les principes du droit international, violent grossièrement les droits des personnes de guerre et leurs familles tout en politisant les questions humanitaires. Un bassin biologique a été construit sur une superficie de 8 hectares dans la province d'Albistan de Marash en Arménie occidentale. Le bassin est nourri par les sources de la nappe phréatique dont l'eau sort par ébullition. Grâce à cette caractéristique, le bassin n'a pas besoin d'une station d'érupation puisqu'elle est auto-nettoyante. Le bassin est considéré comme le plus grand bassin biologique du monde. Une demande est soumise à Guinness sur cette question. Dans l'Albistan, où la rivière Seyan, formée de la source chaude, prend sa source, la municipalité a construit ce bassin après 2 ans de travaux. Avoir un tel bassin biologique en Albistan est très précieux et à la fois significatif puisque des projets de sport nautique et des lieux de confort pour les visiteurs peuvent être mis en œuvre. Certifié par Guinness, le bassin sera présenté au monde. Sur la chaîne de la télévision d'Arménie occidentale, vous pouvez regarder le reportage sur le mémorial de la mer Arménie qui présente en détail les événements et les personnages qui ont joué un rôle décisif pendant la première guerre d'Artsakh. Le reportage fait particulièrement référence aux personnes d'Arménie occidentale qui ont consacré leur vie pour la patrie, comme le commandant Nevel Safarian, Rukas Madoyan et d'autres. Des épisodes de la guerre de libération d'Artsakh pendant les années 1980 et de la guerre de 4 jours en avril 2016 sont exposés au musée. Dans le reportage, vous allez entendre parler des personnages marquants qui ont réussi à faire tourner le cours de l'histoire.
Une violente collision s'est produite entre une voiture et un camion léger dans la province de Gyolova-Sébastia en Arménie-Occidentale, causant 9 morts et 2 blessés. Après l'alarme, l'équipe de secours d'ambulance s'est rendue sur place. Les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital. Le musée des Beaux-Arts a été créé dans le bâtiment en tuf de 2 étages du gymnase masculin situé sur la rue Astafian, aujourd'hui à Beauvien, à Erevan en 1921. Il a été renommé la Galerie d'État d'Arménie en 1947 et s'appelle la Galerie nationale depuis 1991. C'est le plus grand musée d'Arménie qui contient aujourd'hui plus de 40 000 expositions d'œuvres d'art arméniens, russes et européens, et le plus grand musée du monde avec sa collection de beaux-arts arméniens. Le célèbre bâtiment actuel de la Galerie nationale a été construit par le célèbre architecte Marc Grigorian. Cette année, la Galerie nationale d'Arménie fête le 100e anniversaire de sa création, qui sera marqué par un certain nombre d'événements et de programmes. L'annuaire de la Galerie nationale sera publié, dont le premier volume sera consacré à l'histoire des différents départements de la galerie. Selon la directrice de la Galerie nationale, Marina Hakopian, tous les événements entrepris pour cette occasion ont le but de mettre en valeur l'histoire de nos monuments, notre patrimoine et présenter au maximum toute la richesse du musée. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Nerses Şnorali Nortzarik. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt.